Nous avons vu donc le préjudice qui risque de coûter à l'État camerounais. 600 milliards de francs CFA. Mais vous avez donc ensuite, il y a la procédure de droits de l'homme à Genève et puis à Paris. Sur ces deux procédures, qu'est-ce que vous pouvez dire? La procédure en France est une procédure répressive, donc pénale. Par conséquent, vous comprendrez que nous ne puissions pas en parler. Et puis, par ailleurs, c'est une procédure où Jean-Emmanuel Foumbi poursuit les individus. Et très sincèrement, le long chemin de croix qu'il a fallu après la sortie du camp de Lubel signifiait que je lutte d'abord contre moi-même jusqu'à la victoire et donc que je ne nourrisse pas à l'égard des individus en particulier des sortes de griefs parce que cette frustration ou cette rancœur éventuelle, je crois qu'il eût été impossible de parvenir à trouver les ressources pour travailler encore pour la cause de l'entreprise et donc d'être aussi redit aujourd'hui. Donc vraiment, pour rassurer éventuellement au niveau des individus, l'entrepreneur doit encore avoir la capacité, par exemple, de ne pas faire de la publicité sur les décisions judiciaires qui ont été cassées. On nous a affranchis, on a reconnu notre innocence, mais nous n'avons pas fait de publicité. Parce que justement, ça serait une tentation d'être dans la démarche de règlement de compte, ou plutôt de dire, ce serait une démarche en fait, compréhensible humainement quand on a beaucoup souffert. Mais quand on a trop souffert, à un moment donné, il faut se demander, un peu comme l'oiseau, l'oiseau ne lutte pas contre les vents. Il essaye de s'appuyer sur cette force formidable de la nature pour voler. Donc nous nous sommes demandé en quoi ce camp, cette chose innommable, cette succursale de l'enfer sur terre, peut, malgré ses intentions initiales, devenir un formidable levier pour l'entreprise. Et pour ça, il a fallu que nous nous effacions, que nous n'ayons pas envie d'avoir raison, d'avoir la reconnaissance des tiers pour dire « bah oui, on l'avait accusé pour rien, ah bah oui, c'est vrai, il n'est pas escroc ». J'étais innocent, je suis innocent, je reste innocent, mais il fallait se taire. L'entreprise aujourd'hui va en profiter, et c'est là le lien avec Genève. C'est-à-dire que si le comité des droits de l'homme, qui est chargé de réguler le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui régissent nos droits fondamentaux hein, et que la plupart des pays ont ratifié, c'est le cas du Cameroun en tout cas, si jamais l'individu Jean-Emmanuel Foumbi avait gain de cause, parce que l'article 9 sur la détention arbitraire, parce que l'article 7 sur la torture, parce que tel autre article, on nous donne raison, donc le comité rend des décisions qu'on appelle des constatations, et ces constatations s'imposent aux États. Mais ce n'est pas une décision exécutoire, parce qu'on ne chiffre pas les dommages et parce que c'est un paradigme plutôt diplomatique. Donc on est dans le régime plutôt de l'incitation. Mais quel serait l'enjeu stratégique de cette décision du comité dans le cadre de la personne morale? Parce que je reste son serviteur. Ce serait que, en reconnaissant la violation de ses droits, cette juridiction internationale offrirait à leurs homologues du CIRDI, un constat dans un domaine où ils sont parfaitement légitimes. J'ai un peu vu comment sont percutants les équipes de Gide, et donc qui préside le destiné de Hope au CIRDI. Je vois bien les avocats de Hope se saisir de leurs plumes et faire remarquer, d'accord, le comité des droits de l'homme a rendu des décisions en faveur de Jean-Emmanuel Foumbi, mais nous souhaiterions quand même, monsieur et dames du tribunal, vous faire remarquer qu'ici et maintenant, il se trouve que Jean-Emmanuel Foumbi est le représentant légal de Hope. La victime qui est venue récemment devant vous se plaindre. Et par ricochet, je crois que ça aurait un effet. Si bien que c'est pour dire les choses, si bien que ça ne pourrait qu'être un argument en faveur de notre dossier au CIRDI. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous nous disons sereins. Et nous le sommes d'autant que depuis 2016, savez-vous que le garde, celui qui garde les sceaux au Cameroun, a décidé de ne jamais répondre au comité des droits de l'homme.
Savez-vous que lorsque nous avons introduit la procédure de fin 2013 dans le but d'obtenir une décision sanitaire intérimaire ou une décision conservatoire, comme on dit, savez-vous qu'ils ont été particulièrement ardents dans le nombre et la qualité des conclusions, dont des écritures qu'ils ont envoyées devant le comité pour dire à quel point mon dossier n'était pas recevable. Donc, un coup, ils sont extrêmement ardents, et puis un coup, parce qu'on parle de l'impunité, justement. C'est ça l'arbitraire, l'imprévisibilité, l'irrationalité. Ah, peut-être qu'ils sont rationnels, il faut voir. Mais je sais que devant le comité des droits de l'homme, comme devant les autres juridictions, lorsque vous ne répondez pas pour faire valoir le contradictoire, on vous relance et on fait tout pour être en capacité de montrer que le principe du contradictoire a été respecté. Et forcément, ça donne un peu plus de poids à celui qui se plaint en défaveur de celui qui a fait le choix délibéré, persistant, de ne rien dire. C'est pour cela que notre espoir, puis après tout, vous me le permettrez, notre entreprise s'appelle Hope. Alors si nous ne pouvons pas espérer, mais là, nous n'espérons pas juste de façon ex nihilo, nous espérons parce qu'il y a quelques éléments objectifs qui rendent cet espoir tout à fait crédible. Donc ça serait potentiellement un argument important, un argument pertinent de poids dans le dossier de Hope devant le CIRDI. Alors, c'est tout à fait incroyable votre histoire. Vous avez frôlé la mort. Vous avez passé une longue période de rééducation et vous êtes maintenant combatif devant les juridictions internationales, à la fois pour vous-même et pour Hope Finance. Mais au départ, on avait Hope Finance, qui avait donc cette vocation et qui était florissante. Et vous en étiez le directeur et il y avait le directeur général adjoint. Alors, qu'en est-il de Hope Finance aujourd'hui et de son directeur général adjoint, qui a été l'un des premiers à favoriser, si on peut dire, votre trajet de calvaire? Alors, Hope Finance, France en particulier, alors que j'étais à Nubel, a été fermé, pour faire les choses simples. Donc, c'est une personne morale qui n'existe plus. C'est d'ailleurs le cas aussi de beaucoup d'autres filiales. En fait, nous nous sommes battus par les temps de tempête à maintenir en vie la holding détentrice de la propriété intellectuelle, qui est donc une entité de droit américain. Vous me donnez là l'occasion de revenir sur un point que vous avez abordé, s'agissant de ce qui a pu être le plan initial, ou ce qui pourrait permettre de dire que est-ce que c'est une action a posteriori, cette intervention ministérielle, ou est-ce que c'est le début même ou des choses? Est-ce que c'est le destinateur, celui qui pense, qui conçoit les choses, qui impulse et qui orchestre? Ou alors en fait, c'est d'autant celui qui orchestre, manifestement, nous disons ça parce qu'il y a des documents qui sont là pour l'attester. Lorsque j'ai été arrêté, ils étaient convaincus que la propriété intellectuelle, selon les informations du directeur général adjoint de Hope Finance France, que la propriété intellectuelle était détenue par l'entité française. Alors là, pour le coup, et sans ironie, j'ai un peu la chance quand même, parce que c'est cette fausse information qui va dérailler leur plan. Parce que c'est alors que je suis à Nubel qu'ils apprennent que Hope Finance France ne détient pas la propriété intellectuelle. C'est sûrement ce que pensait mon directeur général adjoint. Je vous ai dit qu'il était en reconversion professionnelle. On peut lui savoir gré qu'il était encore en processus et que, disons, que l'apprentissage était encore inabouti pour que peut-être il puisse éventuellement appréhender l'ensemble des subtilités, des méandres
d'un domaine quand même différent de celui duquel il arrive et qui est plutôt un domaine, voilà. Peut-être qu'il n'avait pas tous les éléments. C'est une hypothèse crédible. En tout état de cause, le fait est là. Il l'avait fait croire à ses interlocuteurs ministériels que les droits... Alors du coup, mort ou condamné à vie à Nubel, vous comprenez que M. Mboma, pour ne pas le citer, aurait été, par la force même du droit, qui est la loi des partis, le statut de Hope Finance Rang, il aurait à ce moment-là été le nouvel interlocuteur de l'État, donc de ses ministres-là, en tant que représentant légal de Hope Finance France. Dès lors que le directeur général n'est pas là, il est un directeur général statutaire, ça peut se vérifier. Donc c'est lui qui aurait été le nouvel interlocuteur, alors que j'aurais été en quelque sorte mis sur le banc des morts ou dans un cimetière ou dans cette succursale d'enfer sur Terre. C'est quand même pas rien pour peut-être comprendre pourquoi des hommes de cette qualité quand même, peuvent se rendre coupables de choses aussi incroyables. Et donc, c'était juste pour vraiment éclairer le fait que c'est un dessin vraiment élaboré, articulé. Et du coup, lorsqu'on m'écrit le 2 août 2013, pour me dire que l'État du Cameroun veut s'approprier, on n'avait pas l'intention de me le dire par écrit, puisque le truc se serait mis en place, hein, le schéma se serait imposé de facto. Si on avait s'était contenté de me faire mourir ou de me condamner à vie dans ce camp-là, parce que le directeur général adjoint serait monté en puissance, et de facto, la personne morale, les deux personnes morales, l'État du Cameroun d'une part et Hope Finance France d'autre part, auraient continué les affaires de business must going on, as usual. Alors, mais pourquoi? Mais c'est tout à fait curieux. Pourquoi, alors que le directeur général est en prison, pourquoi est-ce que le directeur général adjoint n'exerce pas la fonction et donc dirige l'entreprise? Et pourquoi laisse-t-on l'entreprise mourir? Ben, parce que déjà, pour diriger, ça veut dire que... Quel est encore l'intérêt? Parce que le but de la cabale judiciaire, le but du guet-apens, c'est de mettre la main sur la poule aux yeux d'or. C'est de mettre la main sur la propriété. Donc si vous dépossédez un contenant de son contenu, vous êtes en train de dire qu'il n'était pas rationnel, eux, de considérer qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il valait mieux circuler. Je considère que là, pour le coup, ils ont été tout à fait dans la logique et dans la rationalité. Donc, ils ont laissé tomber cette personne morale. Ben, en la laissant mourir, au moins, ils s'assuraient, au cas où, par extraordinaire, le privilège de la Providence m'aurait oublié et que je ne serais pas sorti de ce camp de Nubel. Ben, au moins, Hope Finance France eût été incapable d'exercer quelque action, que ce soit contre l'État du Cameroun, puisque c'est une personne morte et enterrée. C'est quand même malin le truc. C'est-à-dire que la mort de Hope Finance est d'une certaine façon une assurance, une garantie, que ce mort-là, parce que bien enterré et enfoui en décomposition sur son cimetière, ne va jamais poursuivre ses bourreaux. Sauf que, par chance, la Providence articule bien les choses. Et donc, Hope Service, dans lequel M. Mboma n'était pas actionnaire, aux États-Unis pour la holding, parce que c'était pour la propriété intellectuelle uniquement, entre autres, en tout cas pour ce qui est du Delaware, et alors qu'on était dans une autre activité à Boston, en fait, c'est comme ça que nous nous retrouvons à devoir faire des propositions et à nous voir imposer un prix de cession. Parce qu'ils ont compris que je suis incontournable. À cause du fait du contrôle de Hope Service, États-Unis, qui est donc là où le temple qui conserve jalousement la propriété intellectuelle, pour faire simple. Vous comprenez pourquoi, en fait, tout cela, c'est clair. Dès lors qu'on peut comprendre la logique qui est mise par rapport à cette tactique, on peut comprendre la mort de Hope Finance, on peut comprendre pourquoi on est obligé de faire des actes alors qu'on avait prévu faire les choses plus proprement, sans laisser trop de traces. En général, les bandits, ils n'aiment pas laisser les traces. Hein. Quand vous avez les médecins légistes là, ou qui arrivent à retrouver là où il y avait eu... C'est toujours par surprise. Au départ, après un crime, on cherche à effacer toutes les traces. Donc on pensait, en tuant Hope Finance, pas seulement en France, mais on est mort partout parce que mes directeurs ne pouvaient plus tenir. Dès lors que vous n'avez plus le directeur général
qu'il est passé de l'autre côté. Vous avez quoi, vous, pour agir? Quand vous êtes un employé au Bénin, quand vous êtes un employé en Côte d'Ivoire, vous faites quoi? Quand vous êtes en expatriation, ben vous pensez à rentrer avec votre famille. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai une pensée aujourd'hui, si mes anciens collaborateurs me regardaient, de dire qu'on a fait un truc de formidable et que j'ai bien conscience, pour l'avoir moi-même vécu dans ma chair, j'ai une idée de ce qu'ils ont pu souffrir. Parce que comme le général de mes troupes, j'ai plus souffert qu'eux et Europe n'est pas terminée. Parce que l'espoir de toute l'histoire de l'humanité, ou l'espérance pour ceux qui croient à des forces supérieures, c'est mon cas, n'est jamais morte. Mais d'où est-il venu qu'on ait cru qu'en emprisonnant l'espoir mourait? Mais si je le dis, c'est parce que je suis ici maintenant, puisque je vous ai dit que j'ai conjuré la mort. Maintenant, je peux me dire que peut-être, mais ce n'est pas une hypothèse, c'est une hypothèse de recherche. Peut-être m'a-t-elle donné des vacances pour qu'on voit que quand bien même il apparaîtrait que l'espoir ou l'espérance sont morts, parce qu'à ce moment-là, plus rien n'existe dans l'univers, ben je suis là, en fait, pour aller au Sirdi. Parce que même s'il y a une mort, elle est apparente, puisque la résurrection, la vie reprend ses droits. Donc, si vous parlez de combativité, nous sommes combatifs parce que c'est une renaissance. Parce que la vie nous est revenue. Et nous ne savons pas pourquoi la mort ne nous a pas pris. En fait, on est mort à leurs yeux. Voilà, on est debout. Et c'est vraiment le lieu de dire à ces entrepreneurs, de dire à ces investisseurs, de dire aux chambres de commerce, de dire à tous ces acteurs qu'il y a encore peut-être quelque chose à faire en termes d'espoir lorsque tout semble ruiné. Monsieur Jean-Emmanuel Foulé, vous terminez en parlant d'espoir. Et d'ailleurs, vous avez donné à votre entreprise « hope », qui veut dire « espoir ». Alors, votre parcours, votre souffrance a des allures de fiction, de fable. Et comme toute fable, ça se termine par une morale. Alors je voudrais que nous terminions par trois choses. Quelle est la morale de toute cette affaire? Ensuite, les enseignements qu'on peut en tirer. Et enfin, si c'est possible, le professeur Jean-Emmanuel Foumi pourrait donner des recommandations sur comment modifier le système judiciaire et la justice pour qu'il n'y ait plus ce genre de calvaire. Alors commençons par la morale. Rien n'est fini tant que tout n'est pas fini. Et il peut arriver que par le privilège de la Providence, un dessin droit, même par une main invisible, soit écrit de manière sinusoïdale. Parfois, il faut seulement attendre et après, ça devient clair. Ne pas abandonner. Très bien. Et maintenant, les enseignements. Quand je parle d'enseignement, c'est supposer que vous vous adressiez à de jeunes entrepreneurs ou à des entrepreneurs tout simplement, à des hommes d'affaires, à des chambres de commerce, en Afrique ou des Africains à l'extérieur qui peut-être sont confrontés aux problèmes, peut-être pas qui ont pas l'ampleur et le risque de mort que vous avez subi. Mais s'il y avait un enseignement qui pourrait leur être utile à partir de votre expérience douloureuse, qu'est-ce que ce serait? Premièrement, que, en réalité, en matière d'entreprise, le business plan, l'activité normale, elle est celle que l'entrepreneur projette. Mais il peut arriver qu'un accident, qu'un imprévu, un impondérable surgisse et déraille un train ou un aéroplane, un aéronef qui allait tout bonnement, allègrement vers ses objectifs, vers ses sommets. À ce moment-là, ce que j'ai appris, ce que j'aimerais partager, c'est que cela ne signifie pas pour autant que c'est un échec financier ou économique. C'est peut-être un échec humain ou une souffrance humaine avec des conséquences peut-être irréparables sur les proches, sur soi-même, conséquences physiques, psychologiques. Mais sur le plan purement financier, j'aimerais autant faire vraiment remarquer que le contentieux ou ce qu'on peut faire d'une mort apparente de l'activité ou de l'entreprise peut devenir une formidable opportunité. Dans le cas de Hope, comme chercheurs, nous avons travaillé ces années à faire du camp de Nubel
un levier financier et non pas une tombe comme on l'a figuré au moment où on nous y envoyait. Donc les entrepreneurs peuvent se dire, y compris nos confrères en Afrique, qu'il y a aujourd'hui des tribunaux, des nouveaux métiers en finance, des gens qu'on appelle des third party funders, ce sont des financeurs tout simplement, qui sont des financiers d'une espèce nouvelle, assez rare, c'est vrai, dans le monde francophone, mais qui s'installe solidement dans les pays anglo-saxons et en Allemagne, très particulièrement aux États-Unis. Ce sont des gens qui regardent un problème, un litige concernant une entreprise ou un individu, un opérateur économique, comme étant potentiellement un actif, comme un immeuble. C'est pas parce qu'un immeuble est en ruine qu'il est fini. On peut le réhabiliter, on le réhabilite parce que son adresse en vaut la peine, parce que ça a une histoire, etc. Et donc cette réhabilitation, quand on n'aurait pas de l'argent, ce nouveau métier de financeur permet en fait que sans qu'il s'agisse du prêt, qu'on aille mobiliser des fonds, parfois des fonds très importants, même en millions d'euros, pour simplement porter la cause devant un tribunal qui pourrait à ce moment-là dire le droit et rétablir une situation qui avait paru à un moment comme étant finie, comme étant morte. Et enfin maintenant, les recommandations sur comment modifier la justice, comment modifier ceux qui exécutent ou la façon de travailler de ceux qui exécutent la justice pour qu'enfin ce mot signifie ce qu'il devrait toujours signifier. Dire déjà que au-delà de la justice, les administrations doivent bien avoir conscience que leurs actes peuvent porter des atteintes gravissimes sur la fortune publique lorsqu'on traîne un État devant un tribunal et qu'on a des arguments. Donc, l'impunité peut coûter extrêmement cher et il faudrait, de manière générale, même si nous venons particulièrement au cas des magistrats ou de l'administration judiciaire, que dans tous les départements ministériels, dans toutes les strates des fonctionnaires, qu'on soit conscient qu'une action posée engage l'État en tant que personne morale, en tant qu'entité publique, devant des tribunaux, eu égard aux conventions que cet État a pu ratifier. S'agissant spécifiquement de l'administration judiciaire, il y aurait à dire, pour honorer le travail d'autres experts, que beaucoup de gens ont travaillé, se sont penchés sur la question, de manière générale, mais spécifiquement en Afrique, et tout particulièrement au Cameroun. Donc nous ne faisons que donner quelques ébauches tirées de notre propre expérience et qui sont donc plutôt des sortes de conclusions empiriques. En réalité, il faut changer le regard sur la prison. Il faut que les camps deviennent la prison, pas redeviennent. Parce que Nubel, je ne sais pas, peut-être qu'à sa construction après la colonisation, après le départ des Allemands en particulier, parce que c'est des Allemands, peut-être qu'à cette époque-là, elle a pu être une prison, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est un camp. Pour que Nubel soit une prison, il faudrait que chacun s'accorde sur une chose. C'est que la loi de l'État du Cameroun et les lois internationales, notamment ce pacte international relatif aux droits civils et politiques que l'ONU, à travers le Comité des droits de l'homme, garantit, a consacré des droits inaliénables, comme le droit à la vie, comme le droit de manger, le droit de dormir. Il y a un certain nombre de droits que le fait d'être en prison, d'être enfermé, d'être privé de la liberté d'aller et de venir, ne devrait jamais atteindre. Et c'est à l'État qui enferme, donc à la société, de garantir à ceux qui sont enfermés cette humanité-là. Parce que quand on parle des droits fondamentaux, on ne parle que de ce qui définit notre humanité commune. Et d'ailleurs, si nous n'étions plus tous les hommes, juste à cause de ce que nous avons fait, en quoi parlerions-nous encore de l'humanité? Ou alors il faut parler des humanités, ou même qualifier certains humains d'autre chose. Pour ma part, je me suis senti comme une bête dans ce camp de Nubel. Donc ce qu'il faudrait, c'est que les gens puissent se nourrir, puissent se soigner quand ils sont enfermés. Donc le regard sur la prison aurait par ricochet un mérite. C'est de redéfinir dans la conscience collective ce que signifie réellement prison, pour qu'on puisse avoir des égards ou du respect pour ceux qui sont passés par là, puisque une prison serait normalement une sorte d'école de rattrapage où la société redonne une deuxième chance
à celui qui a posé des actes qu'elle a qualifiés d'anormal ou bien de violation importante, elle lui redonne une opportunité de réfléchir, de méditer, de lire. Encore faut-il qu'il y ait des livres à lire, des bons films à regarder. Encore faut-il qu'on puisse y apprendre un métier. Encore faut-il qu'on puisse s'y promener. Encore faut-il qu'on puisse faire un peu de sport, qu'on puisse connaître des gens, qu'on puisse même exercer sa fonction. Si vous êtes enseignant, qu'est-ce qui vous empêche, comme c'est le cas à Nubel, où ça crée des problèmes, d'enseigner des plus jeunes ou des moins qualifiés dans votre domaine? Donc, qu'on vous apprenne, qu'on vous resocialise, en fait, qu'on vous redonne de l'humanité, justement parce que vous avez porté atteinte à l'humanité. Or, ce qui se passe dans un camp, c'est que s'il vous restait un peu d'humanité, eh bien, on vous la massacre, on vous l'extermine. Et vous vous ressentez concrètement comme en marge de l'humanité, en marge de la famille humaine, d'où l'attitude de revancharde de beaucoup d'ex-détenus. Parce que quand ils sortent, ils ont envie de faire, cette fois-là, pour de vrai, le crime. Parce qu'ils ont appris à voir que le crime pouvait aider. Je vous ai dit qu'il y avait des gants à Nubel. Mais ces chefs de gants n'ont pas envie de sortir de Nubel. Ils y sont bien. D'ailleurs, quand on doit en sortir un, ou même un de ses lieutenants, d'un des généraux, en fait, ils s'arrangent pour y revenir très rapidement, en commettant expressément un crime. Donc, contre des innocents qui sont là, peut-être par hasard, au mauvais endroit, au mauvais moment. Juste parce que c'est un camp. Ça aurait été une prison, et c'est ce à quoi nous devons aspirer. Ça serait simplement une sorte de quartier général, de lieu de repli, où on recule pour mieux sauter. Comment peut-on ressauter en repartant dans la société, alors qu'on s'est retrouvé humilié, torturé, déshumanisé? En quoi trouvons-nous la société légitime, si elle-même qui nous reproche ce qui va vite devenir peu de choses au regard de ce qu'elle nous fait? En quoi la société est-elle légitime, à travers ses institutions, de nous enfermer et de faire de nous ou contre nous pire que ce qu'elle nous reproche? En fait, celui qui réfléchit bien à la justice peut objectivement devenir un délinquant assumé à l'extérieur. Alors, vous avez subi beaucoup de choses. Votre parcours s'est arrêté à un moment donné. Vous avez été arrêté, vous avez été en prison. Vous avez été paralysé pratiquement du côté droit, et vous voilà, vous parlez de renaissance. Ce mot a une bonne signification. Ce mot signifie beaucoup de choses pour quelqu'un comme vous. Mais au stade où on vous voit aujourd'hui très combatif, qu'est-ce que vous vouliez que l'on vous souhaite? De rester combatif, parce que en vérité, l'existence serait plutôt un fleuve dont les courants descendent et nous on remonte, parce que seulement s'immobiliser c'est la garantie de descendre. Nous étions combatifs avant d'aller à Nubel. C'est parce que nous étions combatifs qu'on est venu nous chercher à Paris pour aller faire ce que nous avons réussi, les exploits que nous avons réussi en faveur de l'État du Cameroun et de ses communes et de ses entreprises. En fait, cette combativité nous l'avons maintenue à Nubel. Parce que si vous êtes paralysé, si vous avez mal aux yeux, si la douleur est si atroce qu'on vous drogue délibérément, si on vous porte pour aller aux toilettes et qu'après vous avoir recouché, vous êtes capable encore de ne pas complètement baisser les bras, c'est que c'est une combativité, simplement elle a une autre forme, parce que vous êtes enfermé et parce que vous n'avez pas les moyens de marcher, etc. Donc, ce qui est la combativité, c'est un état d'esprit. Nous la retrouvons aujourd'hui, et si elle s'exprime de manière tangible ou de manière ostentatoire, c'est juste que nous avons retrouvé la plénitude, ou presque, nous avons retrouvé largement nos moyens, la mobilité, etc., etc. Mais peut-être qu'il y a un surcroît de combativité. Je peux vous le concéder, parce que les visages que j'ai vus à Nubel, ces femmes, ces hommes, ces mineurs, ce qu'ils m'ont dit, dans un langage très local. Répé, ce qui est une inversion de père, c'est un peu le jargon local. Puisque vous êtes un inventeur, quand vous serez parti d'ici, parce que nous, on veut que vous partiez, et c'est pour ça qu'on vous aide, alors n'allez pas inventer plein de choses qui ne sont pas prioritaires et urgentes. Dites-nous en quoi on peut mettre fin à ce camp. Et dites-nous également ce que vous pouvez inventer pour que des gens ne nous remettent plus dans les camps, s'il en subsiste encore. Donc, finalement, aller au CIRDI,
si vous aviez un souhait à faire, c'est que véritablement Hope réussisse au CIRDI. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Hope, c'est un combat finalement dont la portée est plutôt universelle. Il s'agit de justice. Il ne s'agit ni d'un combat contre les Camerounais, j'allais même dire ni d'un combat contre le Cameroun. Simplement, nous avons été amenés, parce que l'État du Cameroun est une entité morale, juridique, il a bien fallu désigner un responsable. D'ailleurs, si le Cameroun n'était responsable en rien, il ne serait même pas responsable de son destin, dont ni de ses échecs, non ni de ses succès. Donc ça a quelque chose de bien, la responsabilité. Donc, le fait de dire à quelques individus qui n'auraient jamais dû se retrouver au poste de responsabilité qu'ils occupent, ou qui auraient dû en être chassés depuis belle lurette, le fait de contribuer à braquer les projecteurs sur leurs œuvres ténébreuses, sur leur médiocrité, ou mieux, si vous préférez, sur leur méchanceté, je crois que c'est une œuvre d'utilité commune. C'est une œuvre d'intérêt général. Parce que, avant Hope, avant le représentant légal de Hope, il y a eu des victimes de ces personnes et de ce régime, de cette instrumentalisation de l'appareil judiciaire. Pendant que nous y étions, il y avait des victimes, des morts, des victimes de toute nature. Après nous, regardez l'actualité, il y a des victimes. Donc la question est de savoir comment on met un coup d'arrêt à ce monstre qui semble lancer à une vitesse supersonique que plus personne ne semble en capacité de contrôler. À l'intérieur, manifestement, c'est très difficile. Le CIRDI est à l'extérieur. Le CIRDI est à l'abri parce que ce sont des juges qui disent le droit et qui ne sont pas dans des considérations comme celles que peuvent avoir les autorités camerounaises, localement. Et donc, c'est une œuvre d'utilité générale. Un succès d'Europe retentirait sur tous les Camerounais, peut-être même sur le système. Regardez, s'il coûte suffisamment cher à l'État du Cameroun de laisser des juges prendre l'argent à des puissants, à des coupables, pour enfermer des innocents. Savez-vous que plus de 65% des personnes présentes dans les camps camerounais, comme à Nubel, comme à Kondengui, savez-vous que ce sont des personnes qui sont simplement en détention provisoire, qui n'ont pas encore été jugées, qui n'ont pas encore été condamnées, dont la présomption d'innocence aurait dû être respectée? Comment voulez-vous qu'elles se rééduquent, qu'elles méditent sur leur sort pour être meilleures en étant réinjectées dans la société, alors qu'on les met dans un trou où on s'assure qu'ils deviennent authentiquement pires qu'avant qu'ils n'y rentrent? Donc simplement, si Hope gagne au CIRDI, s'il en coûte assez à l'État, s'il en coûte assez aux fonctionnaires du ministère de la Justice de ne plus faire n'importe quoi, parce que c'est vraiment n'importe quoi, peut-être y penseront-ils. Ils y penseront parce que ce n'est pas ces fonctionnaires qui vont payer. C'est la collectivité publique. Alors j'aimerais, à travers ce chèque, que je souhaite le plus consistant possible, que des Camerounais se disent, mais vous pensez, vous, qui dites la justice en notre nom, qu'on va payer cette facture que vous n'êtes d'ailleurs pas foutu d'être capable de payer, vous pensez qu'on va vous laisser continuer à traiter des justiciables de la même manière, en notre nom? Je voudrais que ce peuple ait une certaine fierté et qu'il nous dise, même s'il ne veut pas penser, même s'il ne veut pas rentrer dans le registre de la fierté et de la dignité, qu'il dise plus en notre nom, parce que ça nous coûte trop cher. Donc je voudrais que nous regardions la prison. Vous savez, elle a une vocation pédagogique. Je voudrais que le CIRDI, qui n'est pas la prison, mais qui est quand même une sanction judiciaire, serve de pédagogue pour que chacun prenne conscience, d'un angle de vue ou de l'autre, qu'on ne peut plus continuer dans un système d'arbitraire et d'impunité. Ne serait-ce que parce que ça tape sec, fort, comme on dit localement, dans le porte-monnaie. Ça, c'est notre contribution. Et je souhaite vraiment qu'à travers vous et l'opportunité de votre invitation, si nous avions pu montrer que nous ne sommes pas dans une démarche négative, dans une démarche revancharde, dans une démarche simplement de... Non, nous sommes dans une démarche qui est compatible à Hope, à l'espoir, à l'espérance. Parce que nous voyons loin, nous voyons l'horizon. Nous sommes, d'une certaine façon, des gens qui continuent à rester des agneaux pour éclairer.
J'aimerais que d'autres investisseurs aillent au Sirdi, si ça recommence. Parce que si le Cameroun va suffisamment au Sirdi ou ailleurs, et paye suffisamment cher, quand il ne pourra plus payer, quelqu'un va dire au magistrat, les gars, vous rendez la justice selon le droit, sinon on vous liquide, sinon vous payez, sinon etc. Quelqu'un va dire à l'ENAM, on ne peut plus corrompre pour y rentrer parce que ça nous coûte trop cher. Quelqu'un va dire au régisseur de prison, les gens que nous te donnons en stock pour conserver, tu les traites avec dignité, ne serait-ce que parce qu'on veut pas de problème, à cause de nos engagements internationaux. Je voudrais vraiment que nous ayons contribué à faire que Hope ne soit pas juste une entreprise, mais que sa cause ait cette portée plutôt générale, en tout cas d'utilité commune, et que ce faisant, cette occasion, cette invitation ne soit pas non plus une forme de complicité où vous-même vous seriez heureux de voir le Cameroun traîner, comme on dit, pour être négatif devant le Sirdi. Non, nous avons braqué les projecteurs sur le Cameroun pour qu'il, dans un ultime sursaut, ils disent, ce miroir, c'est vraiment cette image horrible que nous, que sommes-nous devenus? Et que quelqu'un dise, cette maison, il faut la nettoyer. Parce que, honnêtement, ça peut pas continuer. Ne serait-ce que parce que ça coûte trop cher. On n'a plus les moyens de se payer le luxe d'avoir des gens médiocres qui font n'importe quoi. Le vendredi 13 est une date, un jour, auquel on prête des significations. Pour votre cas, deux vendredi 13 nous occupent ici. Et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, vendredi 13 mars 2020. Mais on se souvient que le vendredi 13 février 2015, vous avez été libéré. Donc il y a aujourd'hui exactement 5 ans et 1 mois. Alors, nous vous remercions. Et nous vous remercions pour ces informations. Et nous pensons que nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent tireront de votre expérience une expérience et des enseignements qui aideront le reste de l'Afrique. Grand bien leur fasse. Je vous en prie.